notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue en cette quatrième semaine à Pâques. Dans ce culte, nous saignons Dieu par des louanges et des actions de grâce. À travers la musique et le chant, nous faisons tout particulièrement aujourd'hui, puisque son culte s'appelle Cantate, un nom qui fait référence au psaume 98. Ce psaume nous dit: chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Il y a un culte qui est plus particulièrement consacré au chant de la musique d'église, même si nous chantons chaque fois que nous nous retrouvons. Mais chantons, chantons au Seigneur qui fait quelque chose de nouvel. Et si vous souhaitez, vous pouvez vous lever pour le chant.
Si quelqu'un marche avec moi, il n'avancera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Seigneur, nous voulons confesser que parfois nous marchons dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous voulons te remettre tout ce qui est à l'écu dans ta clarté, ces coins sombres de notre vie qui n'ont pas été visités par ta lumière, ces écrans que nous mettons entre notre passé et ton pardon, entre notre présent et ton appel, entre notre avenir et ton espérance. Pardonne-nous, car nous sommes oublieux de tes bénédictions, boiteux dans notre foi, heureux dans nos décisions. Nous te remettons notre orgueil, à moins que ce ne soit nos craintes qui nous cachent la lumière et nous empêchent de te faire pleinement confiance. Seigneur, nous confions en toi. Fais une lampe sur notre chemin. Thank you.
Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus : Maître,